Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui enfin pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la Samsung Galaxy Watch Active 2 4G, ça en fait des noms. Donc on va parler de cette superbe montre que j'ai testée, ça fait maintenant bientôt 15 jours. Et je vais vous dire qu'il y a pas mal de choses vraiment très intéressantes au niveau de cette montre. Donc merci à Samsung, grâce à eux, j'ai pu faire cette vidéo. C'est eux qui m'ont proposé de tester cette montre et j'en suis vraiment ravi. Donc c'est parti pour une vidéo de qualité. Au niveau de l'emballage, voilà comment ça se présente. Il y a marqué Active 2 juste sur le dessus. On a, ma foi, un très très bel emballage avec marqué sur le côté Samsung Galaxy Watch Active 2 et juste derrière les spécifications du produit. Donc Samsung Galaxy Watch Active 2, il nous explique que c'est une montre connectée, il y a une connectivité 4G, une détection d'exercice automatique et coach de course à pied, et une fonctionnalité bien-être avancé. Donc il est marqué qu'il est en 4G, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, compatible avec les smartphones Android 5.0 ou supérieur avec au moins 1,5 Go de RAM. Comme vous pouvez vous en douter, je vais faire l'unboxing bien sûr de cette boîte, mais la montre se trouve ici à mon poignet, vu que ça fait 15 jours que je la teste. Bien sûr, donc je me suis dit je vais pas remettre la montre dedans, je vais simplement, voilà, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte, donc le reste, la montre vous savez que je l'ai au poignet, voilà, il n'y a pas d'embrouille à ce niveau-là. Donc on va ouvrir la boîte. Alors à l'intérieur, voilà, ça se présente comme ceci, juste devant on a le cadran de la montre, voilà, donc l'écran qui est juste ici, donc le cadran, voilà, donc qui se trouve, voilà, ici, toc, là juste après on a le bracelet qui se trouve dans cette petite boîte. On a un petit schéma de la montre, donc comment insérer le bracelet, tout simplement. Il y a un petit schéma qui vous explique de quel côté insérer le bracelet. Ce qui est vraiment sympa, c'est qu'au niveau du bracelet, je ne sais pas si vous le voyez là, mais on a une petite barrette ici, ça vous permet de mettre facilement le bracelet et de le changer aussi facilement, de retirer, de le mettre très facilement. Et ça, c'est super pratique. Ensuite, on continue. Là, on a la notice qui est juste ici. La notice, donc très bien expliquée. Voilà, Samsung avec, donc, là, voilà, c'est un pré-presse, donc j'ai pas tout à fait toute la notice qui est à l'intérieur, mais voilà, il y aura la notice plus la garantie qui sera dedans. Et ici, juste ici, donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le câble de chargement. Et donc, c'est tout simplement un support. Vous posez la montre ici directement, c'est aimanté, tac! Et voilà. Et donc la montre recharge, donc c'est une recharge par induction, tout simplement. Voilà, et donc je pense que pour recharger, il faut à peu près, je crois que c'est 1 heure ou 1 heure et demie, un truc comme ça. Et au niveau de l'autonomie, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que vous pouvez tenir jusqu'à quasiment 2 jours et demi, 3 jours. Et ça, c'est au top. Samsung m'a envoyé la version noire en 44 mm. C'est la version en acier inoxydable avec la version bracelet cuir. Et franchement, c'est le top. Elle est magnifique et elle est du plus bel effet. Et honnêtement, moi, j'ai vraiment kiffé l'avoir à mon poignet. Elle est très très classe. On a un écran Super AMOLED de 1,4 pouces, un peu plus grand que le modèle précédent, ce qui vous permet de profiter de tous vos contenus de manière plus confortable et lisible. Et ça, c'est vraiment le top. De plus, vous pouvez personnaliser votre fond d'écran tout simplement en restant appuyé ici. Et vous avez une multitude de personnalisations de fond d'écran. Et ça, c'est vraiment le top. Vous pouvez en choisir une autre, par exemple, si je veux choisir celle-là, ou celle-ci, ou même encore, voilà. Ou sinon, si j'en veux un peu plus, je vais sur le Galaxy Store directement. Donc c'est plutôt recommandé, bien sûr, d'avoir un Galaxy S10 Plus ou un Android. Ça sera toujours mieux, donc un smartphone Samsung, on va dire. Mais ça marche aussi sur iOS, et ça, j'ai bien apprécié. Pour pouvoir profiter au maximum de toutes les fonctions pour votre Galaxy Watch Active 2, il faudra tout simplement télécharger une application qui s'appelle la Samsung Galaxy Watch, qui vous permettra, dans un premier temps, de connecter votre montre, et ensuite de pouvoir profiter un maximum de tout ce que votre montre connectée peut vous apporter. Grâce à cette application, vous verrez, il y a vraiment une grosse personnalisation au niveau de la montre, que ce soit au niveau des fonds d'écran, mais il n'y a pas que ça aussi, ça vous apporte beaucoup d'informations, et ça, c'est plutôt cool. Sinon, pour en revenir à la personnalisation, ce qui est vraiment très intéressant avec cette montre, c'est que on a la possibilité, donc comme je vous l'ai montré il y a quelques secondes, de pouvoir changer de fond d'écran sans problème, donc c'est très intuitif, très réactif. Vous appuyez directement dessus, vous pouvez changer directement, ou alors vous faites une photo, une simple photo, et donc la montre va se charger après de faire un fond d'écran avec cette photo, et ça, j'ai trouvé ça plutôt surprenant, mais très intelligent. Et aussi, il y a un truc qui est vraiment bien aussi, c'est que voilà, vous pouvez changer très rapidement de bracelet, ça c'est super cool, et ce qu'il y a
est bien, c'est que les bracelets, ils sont voilà, on peut échanger avec les bracelets universels. Ça, c'est plutôt bien parce qu'on n'est pas obligé de passer par Samsung. On peut, voilà, si vous avez des bracelets voilà qui vous font plaisir, vous pouvez tout simplement les acheter et les remettre dessus. Donc c'est compatible. Ils ont pensé à ça Samsung et ça c'est vraiment bien. Ce qui est très intéressant avec cette montre, c'est que c'est un véritable coach sportif. Vous avez plus de 40 suivis d'exercices différents, très réactifs. Vous appuyez là, hop, 3, 2, 1, on est parti pour l'exercice. Vous voyez, donc après, je rappuie ici pour arrêter. Là, c'est un exemple, hein. Donc je mets terminé, hop, fini, l'exercice est terminé. Donc je dis oui, et voilà, donc après, on repasse à autre chose. Donc elle est vraiment super réactive et très intuitive. Et ça, j'ai adoré ça. On peut aussi mesurer son rythme cardiaque avec un cardio-fréquence-mètre qui a 8 photodiodes, ce qui vous permet d'avoir vraiment avec précision votre rythme cardiaque. Ce qui est très intéressant sur cette montre, c'est que c'est une montre 4G, c'est-à-dire que elle est totalement autonome. Si vous oubliez votre smartphone à la maison, vous pouvez directement, voilà, en passant par cette application-là, vous allez directement dans les réglages, vous choisissez ensuite, vous continuez un peu plus loin, vous allez dans batterie, dans Wi-Fi, donc connexion, voilà, connexion Bluetooth, Wi-Fi, mode hors ligne, vous appuyez dessus, vous choisissez ensuite réseau mobile, connectez votre montre au même réseau mobile que celui de votre téléphone, vous cochez sur oui. Et là, vous consultez votre téléphone et sur votre smartphone, voilà, il vous indique que, voilà, affichez les paramètres eSIM sur le téléphone. Donc, ce que vous faites, vous allez directement, donc, sur la Galaxy Watch et voilà, connecté via Bluetooth. Donc, la montre est connectée, voilà, directement et donc, ça la rend complètement autonome. Et ça, j'ai trouvé ça très bien. Vous pouvez laisser votre montre à la maison, partir comme ça, vous oubliez votre smartphone. Ça marche quand même. Le réseau est connecté directement là-dessus. Le fait que la montre soit autonome, c'est vraiment un plus pour cette montre. Donc, c'est vrai qu'elle a un certain prix. Je pense que voilà, les premiers prix sont là 439€ ou 459€. Je sais plus exactement. Donc, c'est vrai que c'est un prix, c'est un budget. Mais honnêtement, voilà, je crois que c'est une des seules montres qui fait ça, qui est vraiment autonome. Ça, avant, voilà, vous étiez obligé d'avoir votre smartphone dans la poche. C'est pas le cas pour cette montre. Puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut répondre à un appel, on peut écouter de la musique. Vous voyez, de ce côté-là, on voit l'écouteur. Et juste ici, on a le micro. Le petit point qui est là. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. Ce qui change aussi par rapport à la Galaxy Watch Active 1, sur ce modèle-là, voilà, on a voilà une petite molette qui est juste ici, qui est invisible, qui est dissimulée, donc qui marche simplement avec le tactile. Vous passez votre doigt sur le côté comme ça et vous pouvez défiler directement, ce qui est beaucoup plus rapide que de scroller comme ça, voilà. Vous recevez bien sûr toutes les notifications sur votre montre, de votre téléphone à votre montre directement, que ce soit YouTube, que ce soit Messenger, Gmail, Snapchat, etc. Et vous pouvez donc directement accéder aux messages, regardez par exemple ici, ou alors tout simplement vous revenez et vous effacez la totalité des messages en appuyant sur effacer tout, et ça efface toutes les notifications. Au niveau des certifications de la Galaxy Watch Active 2, elle résiste aux hautes pressions avec sa certification militaire, et elle est aussi étanche jusqu'à 50 mètres de profondeur. Ce que j'ai trouvé très surprenant avec la Galaxy Watch Active 2, c'est le fait qu'elle a un algorithme qui détecte notre façon de dormir, tout simplement. C'est-à-dire que elle va détecter notre endormissement, elle va détecter quand on se réveille, elle va faire un petit calcul par rapport à ça, donc elle va gérer notre stress aussi, et elle va nous faire le bilan en fait de notre nuit, tout simplement, et on va savoir comment on s'est comporté pendant notre sommeil. Et il y a même possibilité d'apprendre à gérer son stress grâce à une application qui s'appelle Calm, qui vous permet donc grâce à des méditations guidées, tout simplement, de gérer votre stress et votre anxiété. Voilà, c'était ma vidéo sur la Galaxy Watch Active 2 4G et qui m'a vraiment fait très plaisir. Voilà, j'espère que ce genre de vidéo vous a plu. J'aimerais bien savoir, dites-moi un petit peu plus dans les commentaires. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi qu'à mon compte Insta et mon compte Twitter. Je suis très actif sur Twitter et ça vous le savez déjà. Ceux qui me suivent, vous savez aussi que je fais beaucoup de stories sur Insta et énormément sur YouTube. Donc voilà, continuez à regarder mes vidéos, continuez à vous abonner, à liker, à partager et commenter, c'est très important. Je vous remercie. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et à très bientôt. Ciao !